Pour moi, les réfugiés, c'est les personnes qui ne vont pas rentrer chez eux. Et je pense que beaucoup d'Ukrainiens, ils veulent rentrer chez eux. Et moi aussi. Je suis arrivée en France en avril 2022. La guerre durait déjà 2 mois, presque 2 mois. C'était à cause de ma santé et les médecins m'ont fortement recommandé de quitter l'Ukraine. J'étais invitée par mes amis qui m'ont chaleureusement accueillie et qui m'ont aidée à revenir à moi-même. Mon quotidien, depuis que je suis arrivée en France, c'est le quotidien qui est pareil au quotidien des gens français. Juste, je surveille des nouvelles et je surveille des alarmes en Ukraine. Ça me bouge beaucoup, oui, mais je me suis adaptée déjà parce que je vis entre des pays. Oui, mais c'est difficile, mais je sais pas comment je peux dire. Avant l'attaque russe, nous avons vécu la vie des millions de citoyens européens, travailler, élever les enfants, voyager en Ukraine et à l'étranger, rêver et faire des projets. Je vis entre les deux pays car tous mes intérêts sont concentrés en Ukraine. C'est mon esprit et mon cœur qui sont là-bas, avec mon peuple qui lutte courageusement sur les fronts civils et sur les fronts militaires. Moi, j'appartiens au front financier et je tiens ma défense ici. Les gens, ils savent que c'est difficile, mais je voudrais bien aussi parler de l'Ukraine. Notre vie en Ukraine était aussi. Notre vie était comme ici. Et nous n'avons pas beaucoup de difficultés en Ukraine parce que les gens, ils pensent qu'en Ukraine, c'est peut-être bureaucratie, quelque chose comme ça, mais c'est pas comme ça, oui. Kiev est une ville magnifique. On a beaucoup de cafés, beaucoup d'espace, beaucoup de terrasses. Ça bouge beaucoup. Il y a beaucoup de jeunes gens, beaucoup d'étudiants, beaucoup d'étrangers. On a tous pour vivre une belle vie. Je suis très attachée à mon pays et je trouve que c'est important pour moi de revenir à Kiev et de trouver mon travail et mon appartement et mes amis là-bas et mes collègues et de vivre la vie normale comme partout. Mon espoir pour l'Ukraine est que l'Ukraine va gagner et on va devenir un membre très important pour l'Union européenne. Car nous protégeons notre territoire, notre démocratie et la vie libre.